Actuellement, c'est durant mon déplacement à Dakar, il y a 2 semaines, que j'ai décidé de participer, mais aussi la volonté du gouvernement sénégalais d'y répondre. Du développement durable, de la gouvernance, de la stabilité des institutions, de la paix et de la sécurité. J'aimerais insister sur certains éléments de ce document qui fait une analyse courageuse de la situation économique et sociale au Sénégal et donc des orientations stratégiques. La consolidation de la paix en Casamance sera primordiale pour exploiter le potentiel naturel et économique de cette région. Réforme. Le Grand Sénégal émergent confère un rôle accru au secteur privé dans le décollage économique du pays. J'aimerais souligner que nous sommes aujourd'hui en phase de mise en œuvre soutient les 3 piliers que vous avez identifiés dans les PSE. Pour les périodes 2014, mais je voudrais aussi ajouter dans notre analyse presque 72 millions d'euros qui va venir des autres instruments. Ça veut dire pour les périodes 2014-2020, nous avons le Sénégal émergent. C'est quelque chose de nouveau dans notre partenariat avec les pays africains. Ou avec l'appui des... Monsieur Andrés Pulvat, commissaire européen chargé du développement, pour votre message. À présent, j'ai le plaisir d'inviter M. Abdoulaye Marquet. Madame le ministre représentant le gouvernement de la République française, Monsieur le vice-président Afrique de la Banque mondiale, 2015 pour le sein de Sénégal est un acteur actif déterminant. Le document de stratégie qui nous est présenté aujourd'hui pose avec séquence et cohérence est une phase d'accélération du processus de développement. Et nous pensons que le moment est opportun et propice pour une séquence économique progressive et irréversible. Tout simplement parce que les conditions initiales des pays sont déterminantes pour l'économie et qui sont au demeurant des facteurs de façon active contre des infractions économiques et financières, mais aussi d'améliorer les cadres politiques et réglementaires, y compris la poursuite de politiques économiques permettant d'améliorer la culture d'entreprise, j'allais dire le culte de l'entreprise, qui appelle la mise en place de partenariats actifs avec le secteur privé sur l'orientation de l'éducation et de l'action citoyenne vers l'entrepreneuriat. Troisièmement, la protection sociale, mais pour sortir définitivement de la trappe de 12 et estimée à 4,1% en 2013. Une accélération de la réalisation à la mise en œuvre des 3 axes du plan stratégique émergent à hauteur de 110 milliards de francs CFA. De plus, le PNUD apportera son appui. Le commissaire européen Brisbane, mesdames et messieurs, monsieur le président, je voudrais tout d'abord exprimer au nom du président du groupe de la Banque mondiale nos remerciements pour avoir choisi nos bureaux de Paris pour le 7e groupe consultatif auquel le Sénégal a invité ses partenaires, tant publics que privés. À ses yeux, ce choix, très symbolique, traduit l'excellence du partenariat entre le Sénégal et le groupe de la Banque mondiale. Monsieur le Président, je me permettrai de faire un spécifique que nous aurons l'occasion de présenter et d'adopter au cours des jours à venir. La croissance, comme nous le savons tous, durable et au cœur des enjeux aujourd'hui. Durable. Un capital humain de qualité, une stabilité politique, de fortes institutions, une bonne gouvernance, une ouverture sur le reste du monde, une capacité de sélection. Il faut que celle-ci soit forte et enracinée dans un temps long. Nous devons donc nous féliciter des efforts que le Sénégal fait pour son secteur. Également, permettez-moi de souligner les réformes que vous préparez à lancer dans l'enseignement secondaire du Sénégal et mis en œuvre dans le contexte africain. Ces efforts salutaires devront être couplés. Il faut encore augmenter de façon significative les ressources allouées au secteur agricole. En particulier, il est nécessaire d'améliorer le financement de l'agriculture en améliorant le cadre réglementaire. Nous espérons que les indicateurs relatifs au climat des affaires seront nets. Pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent, il sera essentiel que le coût des facteurs de production soit aligné à ceux des pays concurrents. La Banque mondiale a pu, 1. De mener un effort tout particulier sur les résultats et la mise en œuvre.
se faisant de faute avec humanité. C'est seulement ainsi que vous serez assuré, si vous me permettez l'expression, d'en avoir pour votre argent le fameux value for money. Et ceci rassurera l'ensemble de vos partenaires, aussi bien publics que privés, et j'ajoute aussi que la société civile et les parlementaires ici présents, dont je salue la présence, aideront. J'ai mis 3 années et demie à parcourir le Sénégal dans ses coins les plus reculés, ce qui m'a permis de mettre un visage et une forme dans l'expression la plus achevée de la pauvreté et ceci dans toutes les contrées du Sénégal. Dans une dynamique de développement durable et pour réussir son émergence économique, le Sénégal s'est doté, sous l'impulsion du président Macky Sall, d'un ambitieux développement du Sénégal en ciblant les secteurs prioritaires porteurs de croissance forte et durable. Objectif, hisser son taux de croissance. La majorité de l'opposition et des non-inscrits, mesdames et messieurs les membres du secteur privé, de la société civile, des organisations de travailleurs, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord saluer et remercier les autorités françaises pour les facilités apportées à la tenue de ce groupe consultatif. Je remercie également le groupe de la rencontre. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, partenaires institutionnels et du secteur privé d'être venus nombreux répondre à notre invitation et échanger avec nous autour de notre vision, dialogue ouvert et constructif avec nos partenaires. Ensuite, pour présenter le plan Sénégal émergent, PSE, un nouveau programme. D'un côté, il y a nos forces et nos potentialités. Une position géographique qui fait du Sénégal une porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, ouverte sur l'unité de nos institutions, mais également la solidité de notre cadre au choc exogène. La faible rentabilité de nos investissements publics, pourtant parmi les plus élevés de la sous-région ouest africaine, forme de certains secteurs indispensables à la compétitivité de l'économie. En définitive, nous avons par conséquent décidé de changer de vision et de paradigme pour relever le niveau et accélérer le rythme de notre croissance économique dans des pôles de développement local plus rationnels et plus viables. Dans ce sens, je vais lancer. Nous voulons une société plus juste, plus inclusive, pour sa composante féminine, la diversification des compétences ne saurait être une fin en soi, mais aussi un levier pour élargir le service social, la paix, la sécurité et la démocratie soient restaurées. Mais pour autant, parlons aussi des trains qui arrivent à l'heure. Relevons les défis sécuritaires dans une approche incongrue. C'est en elle que se reconnaît le Sénégal. Et nous pensons. Ça va.
Ah oui. Allez-y.